Bonjour et bienvenue sur France 24 et sur Radio France Internationale. Nous recevons aujourd'hui Martin Fayoulou, c'est le président de l'engagement pour la citoyenneté et le développement euh, en RDC. Bonjour Martin Fayoulou. Bonjour. Et avec moi pour cette interview, Christophe Boisbouvier de RFI. Martin Fayoulou, bonjour. Bonjour. Martin Fayayoulou, vous maintenez jusqu'à ce jour avoir gagné la dernière élection présidentielle. Vous êtes d'ores et déjà candidat pour la prochaine élection présidentielle prévue fin 2023. Je veux commencer cependant avec la situation qui est grave, on peut le dire, dans l'est de la RDC. On voit. Euh, qu'il y a des violences qui continuent, euh, les accusations mutuelles euh, d'escalade militaire entre la RDC, euh, le Rwanda, le président Tshisekedi à la tribune euh, des Nations Unies a euh, dénoncé euh, sans détour l'agression militaire directe euh, du Rwanda, les accords bilatéraux ont été suspendus, euh, le président Tshisekedi fait ce qu'il faut. Monsieur Tshisekedi a annoncé l'agression de son ami, son ami qui a... Réussi à le placer au pouvoir, M. Kagame. Si M. Tshisekedi avait refusé les deals concoctés par Kagame et Kabila, nous ne serons pas là. Et si les Congos avaient respecté les résultats des journes, la vérité des journes, aujourd'hui, les Congos seraient gérés différemment. On n'aurait pas eu. Cette guerre atroce que les Rwandais nous imposent. Mais euh, il accuse Paul Kagame euh, d'être. Euh, de lui avoir planté un couteau dans le dos, de trahison. Euh, dorénavant, les choses sont claires quand même. Il dit les choses clairement, il le dénonce. Mais il dit les choses clairement quand il me suit. Il adopte maintenant mon langage, les langages que j'ai depuis des dizaines, une dizaine d'années, que c'est Kagame qui est la cause de nos malheurs. Et euh, aujourd'hui, parce qu'il ne peut rien faire, c'est ce qu'on appelle la sissiparité. Ils sont ensemble mais ils font ce que, que le peuple dit. Parce que le peuple ne veut pas de cette guerre, le peuple ne veut pas de cette agression, le peuple ne veut pas de cette violence et Tshisekedi n'a pas d'autre choix que de suivre le peuple. Alors de façon très concrète, est-ce qu'il faut rompre les relations diplomatiques avec le Rwanda, oui ou non Mais tout à fait. La première chose, je l'ai dit et je le répète, on devait renvoyer l'ambassadeur Rwandais à Kinshasa et rappeler notre ambassadeur à Kigali, rompre les relations diplomatiques Porter l'affaire à l'Union africaine et aux Nations unies, très clairement. La solution qui est prônée euh, dans l'Est de votre pays par la communauté internationale et par Félix Tshisekedi, c'est le déploiement d'une force euh, de, des pays d'Afrique de l'Est, notamment le Kenya, le Burundi, l'Ouganda. Est-ce euh, que ce ne serait pas quand même une bonne solution Non, ce n'est pas une bonne solution. Les Congos n'est pas dans l'Afrique de l'Est. Et ça, c'est Monsieur Kagame qui a amené Monsieur Félix Tshisekedi dans cette affaire pour l'avoir davantage, pour balkaniser maintenant économiquement le Congo. Le Rwanda ne serait pas hein, dans cette force multi. Mais tout à fait, le Rwanda y est parce que c'est le Rwanda qui est dans le renseignement. Vous savez bien que dans euh, les opérations militaires, les renseignements c'est la clé. Donc le Rwanda y sera, le Rwanda y sera. Donc pour nous. Euh, Eastern African Community, ce n'est pas notre affaire. Le Congo doit renforcer son armée, entraîner son armée, équiper son armée et avec la volonté des Congolaises et des Congolais, nous allons gagner cette guerre. Et si nous voulons un renfort, c'est que nous devons nous adresser aux pays partenaires, les vrais du Congo, pour combattre l'agression. – Mais en attendant, euh, le renforcement des FARDC, ça va prendre deux ans, trois ans, on fait quoi en attendant ?– Mais en attendant, il faut demander à M. Kagame de retirer ses troupes, il faut demander non, à M. Museveni de retirer ses troupes. Militairement, comment vous allez faire face à toutes ces armées venues euh, au Congo si vous n'avez pas, pour l'instant, des alliés forts en dehors de, de ces pays que sont le Kenya, le Burundi et l'Ouganda ?– Mais Militairement, M. Tshisekedi est là depuis près de quatre ans, Quatre ans, on ne peut pas mettre en place une armée équipée, une armée entraînée, une armée qui peut combattre. Ce n'est pas les militaires, les vaillants militaires qui manquent. Il y en a eu. Mamadou Ndala a été tué. Bahouma a été tué. Pourquoi Et c'est depuis Kabila. Cette euh, euh, agression, ça ne date pas d'aujourd'hui. Et cette agression, c'est Kabila qui a passé ça à Tshisekedi. Et donc, euh, voilà les proxys des gens que Kagame a installés. Et ces gens-là sont des gens qui mènent un complot contre les Congo. Alors, euh, je veux en venir aux, aux élections. Euh, elles sont prévues en théorie euh, fin 2023, décembre 2023. Et, euh, Félix Tshisekedi euh, a dit euh, à France 24 et RFI il y a un mois à New York euh, que le calendrier serait tenu malgré euh, les doutes, par exemple, du PNUD. Mais beaucoup de commentateurs disent attention les conditions ne sont pas réunies. Est-ce qu'il ne faut pas mieux faire de bonnes élections, propres, transparentes, bien organisées en 2024, plutôt que des élections euh, bâclées et sujettes à controverse en 2023 J'ai entendu qu'il a dit qu'il n'y a pas de calendrier et que les calendriers n'étaient pas importants. Et ça, ça m'étonne que quelqu'un moderne qui euh, planifie des actions dise que les calendriers n'étaient pas importants. Mais les calendriers doivent être tenus, c'est-à-dire la date du des élections consignées par la Constitution parce que la Constitution de la République démocratique du Congo est claire le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de cinq ans cinq ans renouvelable une seule fois cinq ans c'est pas cinq ans plus une seconde donc il faut tenir c'est une obligation constitutionnelle c'est un must donc maintenant si on va plus loin monsieur Tshisekedi c'est Lancé dans des opérations de fraude. Le 17 juillet 2020, il met en place la Cour constitutionnelle. Il nomme le membre de la Cour constitutionnelle en violation flagrante de la Constitution. Il se prépare pour l'institution qui proclame les résultats définitifs. Après, il met en place la CUNI, la Commission électorale. Tous ces gens à lui ou les gens qu'il a débauchés. Débauché. Il fait adopter au Parlement une loi électorale en sa faveur. Donc nous, nous disons, et maintenant, la CNI est entrée en fonction, depuis, on ne fait rien. Il faudra absolument avoir les élections. Maintenant, comme vous dites, les experts ont dit que ce n'est pas possible d'avoir des élections correctes, des élections impartiales à temps. Alors, si ce n'est pas à temps, vous savez, il y a un mot qui affectionne les Congolais, c'est le glissement. Mmh. Quand nous disons pas de glissement, qu'est-ce que ça veut dire M. Tshisekedi a prêté serment le 24 janvier 2019. Cela veut dire que le 23 janvier 2024, il doit partir. L'églissement, c'est ça. Il part, mais maintenant, si les experts nous disent un mois, deux mois, trois mois, mais pas au-delà des quatre mois, parce qu'on suit la Constitution, nous pouvons retarder les élections pendant ce délai qui est prévu dans la Constitution. Parce que la Constitution, dans son article 75, il dit en cas d'empêchement pour. Euh, comment dire le, la, le, le poste de président de la République, il est tenu de remplacer ce président par le président de la, de, de la comment dire, le président du Sénat. Il a trois mois pour organiser les élections. Si dans trois mois il n'arrive pas, on lui donne encore un mois. Donc quatre mois. Donc des élections au plus tard en avril 2024. Au plus tard parce que la Constitution permet, euh, si les élections ne sont pas organisées, s'il y a empêchement, que le président parte. Il parte, et M. Tshisekedi, dit, le 23 janvier 2024, à minuit, il doit partir. Et là, on peut regarder et voir ce que dit la Constitution, le président du Sénat. Est-ce que nous sommes d'accord avec le président du Sénat Si oui, ok. Sinon, on s'organise pour mettre quelqu'un de neutre, quelqu'un qui vient de la société civile, pour utiliser cette possibilité constitutionnelle. Si dans trois mois, on organise, c'est bon. Sinon, on donne un mois de plus et quatre mois au total, on organise les élections présidentielles et législatives nationales pour... Les Congos. Alors vous dites que la CENI n'est pas indépendante euh, et du coup, pour l'instant, votre parti SID n'a pas envoyé de représentants au, au bureau de la CENI, mais est-ce que ce n'est pas contradictoire, Martin Fayoulou, de boycotter la CENI et de ne pas boycotter les élections Non, on ne boycotte pas la CENI comme on ne peut pas boycotter les élections. Nous n'avons pas envoyé nos représentants à la CENI parce que nous ne sommes pas convenus sur les règles du jeu. Nous ne sommes pas convenus sur la loi portant organisation et fonctionnement de la CUNI, donc nous ne pouvions pas envoyer nos éléments. Et on ne nous a pas demandé d'envoyer les éléments. C'est pour cela donc nous... Vous disons... renoncez, vous renoncez non. à non, tous non, non, nos non. représentants On ne renonce pas. C'est pour cela que nous disons qu'il faut que toutes les parties prenantes se voient, se rencontrent et discutent. Il n'y en a pas beaucoup. Il y a l'Union Sacrée, il y a l'FCC, il y a l'AMUCA et la société civile. Ces quatre-là doivent se voir pour récomposer la CENI. Premier sujet deux, revoir quelques articles de la loi électorale. Trois, fixer les calendriers. Quatre, parler de la sécurisation des élections. Et cinq, voir comment faire avec la Cour constitutionnelle. Comment récomposer la Cour constitutionnelle Et six, voir tout autre élément, tout autre euh, élément qui concerne. L'organisation des élections. Ça fait beaucoup de conditions. Donc, vous êtes, en tout cas pour le moment, officiellement euh, candidat euh, pour 2023. Vous parlez à longueur de temps des échecs multiples de euh, Félix Tshisekedi, mais bon, la croissance est à 7%. Le FMI a accordé un prêt de 1,5 milliard de dollars euh, l'an dernier. Euh, les rentrées budgétaires, d'après le ministre des Finances, euh, les rentrées d'impôts, pardon, ont doublé en 4 ans. C'est un bilan honorable, quand même, sur le point euh, économique. Les rentrées d'impôts ont doublé. C'est pour payer les politiques, pour donner 21 000 dollars à chaque député, pour s'enrichir et remplir des comptes à l'étranger. Les rentrées sont là. Pourquoi l'armée n'est pas équipée Pourquoi l'armée n'est pas renforcée Pourquoi on, a, on ne prend pas d'autres Congolais qui sont en âge et qui peuvent combattre, les former rapidement L'entrée euh, de l'argent dans les caisses de l'État, pourquoi il y a toujours la misère du peuple La croissance est due, vous le savez, à cause des miniers. Mais cette croissance, est-ce que cette croissance profite aux Congolais Et comme on dit au Congo, est-ce que le panier de la ménagère reflète cette croissance Non. La croissance, c'est pour l'enrichissement de M. Félix Tshisekedi et de ses amis. La croissance, c'est pour, en tout cas, ses entrées, c'est pour le vol. De ces gens, aujourd'hui, ils ont mis encore, euh, comment dire, aux ventes, euh, en vente aux enchères le 23 blocs pétroliers. Tout ça, c'est pour des gens qui n'ont jamais été préparés pour gérer l'État, mais qui ont été préparés pour chercher comment s'enrichir. Il y a quatre ans, vous étiez... Vous n'étiez que deux grands candidats dans l'opposition, vous étiez le principal candidat. Euh, L'année prochaine, Martin Fayoulou, il va y avoir beaucoup de monde hein, dans l'opposition, euh, notamment vos anciens alliés, euh, Moïse Katumbi, c'est très probable, euh, Adolphe Musito, il a annoncé qu'il serait candidat, sans parler de Matata Pogno, et pourquoi pas l'ancien président Kabila. Euh, une opposition morcelée euh, dans une élection à un seul tour. Est-ce que ce n'est pas un scénario rêvé pour le sortant Félix Tshisekedi? Kabila ne pourra jamais plus être candidat au Congo. Je vous ai dit, président élu pour cinq ans, mandat renouvelable une seule fois. Kabila a déjà brigué son deuxième Alors, mandat. Un, 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 représentant, un représentant du FCC, si vous Un voulez. représentant du FCC. Hum. C'est le peuple qui jugera. La constitution est ouverte, le jeu est ouvert. Et il faudrait que la population Décide. Donc, euh, il faut qu'il y ait démocratie. Il faut qu'il y ait démocratie. Mais vous ne craignez pas tous ces adversaires non, qui vont je se présenter face à vous Personne, parce que en 2018, on m'a dit euh, voilà, Kabila a mis des moyens énormes et vous allez être battu à plat de couture. Et, et c'est moi qui ai battu tous les candidats à plat de couture. Donc, je n'ai pas euh, peur et j'ai confiance en mon peuple. Merci, Martin Fayoulou, de nous avoir accordé cet entretien. Et merci à vous de nous avoir suivis sur nos deux chaînes, France 24 et Radio France Internationale.